Good morgen, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le Longish Matamwa, Miona Ben Khana, Peggy Batester, Zara Batmazal Tov, Shishportish, Simon Batleoni, Michael Novikov et aussi l'Irfouat Avraham Ben Mazal Fortuné, Betor Char Chole Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perikut Mishnah, Bet. Shlosha Melachim Barba, Hediotot, Tenelem Chelek Laolam Baba. Shlosha Melachim Yarov, Am, Achav, Menashe. Rabbi Yehuda Omer, Menashe, Yeshlo Chelek Laolam Baba. Shenemar, Vaitpalel Elav, Vayaterlo, Vaishma Techinato, Vaishiveu, Yerushalayim, Le Malchuto. Amrulo Le Malchuto, Yeshivo, Velo Lechayo, Laolam Baba, Yeshivo. Arbaa Hediotot, Bilam, Vedoeg, Achitofel, Vegechazi. Notre Mishnah vient continuer la Mishnah précédente dans laquelle on apprenait que toute personne du Am Israël aura une part au monde futur à condition toutefois de ne pas transgresser certaines avérot qui étaient explicitées par la Mishnah et le Tiferet Israël qui rapportait 15 cas, 15 avérot encore pour lesquelles on n'aura pas de part au monde futur si on meurt sans avoir fait Tshuva. Succinctement, il y a plusieurs ramifications de ça, mais il y a quelques points qu'il faut retenir. Un point essentiel, je vous avais parlé de la très longue introduction du Rambam dans laquelle il détaille, il énumère les 13 fondements, les 13 articles de foi qui sont innovés par le Rambam ici. Il n'y a pas de Chazal. Chachamim n'ont pas posé ces 13 fondements, c'est le Rambam qui les a posés, les 13 fondements. Et il explique, le Rambam, dans le Mishnah précédent, donc, que là, un homme, d'abord, on va commencer plutôt dans le sens... on avait appris qu'une personne qui a transgressé une très grave avéra, qui a même pu tuer, transgresser des avérot de zmout, de chatige, d'adultère, il est condamné à mort. Avant de mourir, il fait tchouva. Et une fois qu'il fait tchouva, sa mort, c'est une capara. Il a payé sa faute. Peut-être qu'il aura encore une part au Géinam, je ne sais pas. Probablement, mais en tout cas, il se relèvera au monde futur. Parce qu'il a fait tchouva avant de mourir. Mais notre Mishnah vient nous enseigner maintenant. Toute personne qui fait... La Mishnah précédente nous enseignait qu'il y a certaines avérot dans lesquelles on touche au fondement de la Torah. Le Rambam, il a énuméré justement les 13 articles de foi de la Torah. Que celui qui les remet en cause, eh ben, il va ébranler toute la pratique de la Torah et des mitzvot. Et dans ce cas-là, il fait une avéra consciente et vicieuse, très grave, dans la mesure où il remet en cause toute la Torah. De manière générale, quand on fait quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre en main assez et à faire des avérot, c'est important qu'il ait la franchise de dire « La Torah, elle n'est pas d'accord avec ce que je fais. Mais j'ai rien de très rare. Je sais que je payerai. » Et puis finalement... Beaucoup plus que celui qui va commencer à vouloir expliquer ce qui est inexplicable, et commencer à développer des théories, et remettre en cause des tas de choses, des tas de fondements, se mettre à vouloir critiquer des rabbanim en disant que, ouais, de toute façon, même les rabbanim ils font des averot, il a envie de manger pas carré. Bon, peu importe, ouais, c'est pas la peine que je donne trop de détails, quoi, mais vous imaginez bien, malheureusement, en Israël, on est confronté au monde laïque, qui fait que de taper sur le monde religieux, qui va se mettre à critiquer sur les gens qui étudient la Torah toute la journée. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Ils ont des problèmes qu'ils ont. Ils sont immoraux. Et ils ne supportent pas qu'il y ait des gens qui vivent dans la moralité. Et de ce fait, ils vont développer des tas de théories et qu'ensuite ils vont diffuser. Et après, plein de fois, ça m'arrive de rencontrer des pauvres Français gentils, sympathiques, qui arrivent en Israël, qui se mettent à écouter la presse et d'un coup, ils commencent à être bien calés dans le sujet et à se mettre à critiquer ceux qui étudient la Torah, à critiquer les rabbanim. Un conseil entre nous, fuyez toujours. Ne vous mettez jamais parler contre ceux qui parlent de la Torah. C'est explicite dans la Mishnah précédente. Le lapikoros, c'est celui qui mévasait Tel Ram, celui qui méprise la Torah, celui qui méprise les sages, ceux qui méprisent. De manière générale, il ne faut jamais remettre, il ne faut jamais ébranler les fondements de la Torah, la pratique de la Torah. Hachem, il nous impose de faire des choses, la Torah, il nous impose de faire des choses. Il y a des gens bien qui transmettent la Torah, ne touchez jamais à ça. Quelqu'un qui a un Yitzhara, qui veut faire des avérotes, qu'il ait la franchise de dire la Torah qui est belle, qui est grande, elle n'est pas d'accord avec ce que je fais, mais j'arrive pas. Au lieu de commencer à vouloir justifier ce qui n'est pas juste. D'accord? Ça, maintenant, donc c'était le principe, il y avait les 13 fondements. Pour notre propos maintenant, pour notre Mishnah, le principe de notre Mishnah, c'est de venir nous parler de grands hommes qui avaient beaucoup de connaissances en Torah, beaucoup de perceptions d'Hachem, comme on va apprendre, d'accord, on va les évoquer, et que malgré tout, ils ont osé faire des choses graves, ébranler les fondements de la Torah, se mettre à... Alors on va évoquer le cas de celui qui incite les autres à fauter, ça c'est très grave, ça va être Yarovam, le roi Yarovam, celui qui a été complètement plongé dans la Vodazara, qui s'est mis à y croire trop fortement. Oui, il va y avoir encore, on va en évoquer plusieurs, et on va parler du celui qui est le Baal Lachonara, il y avait là-bas Doeg Vachitofel, des avérotes qui sont très graves, qu'à cause d'elles on est arrivé à détruire le monde d'une manière très forte,
Et de ce fait, ils n'auront pas de port au monde futur, même s'ils avaient un haut rang. Le Rambam explique que c'est ça le but de notre Mishnah, de venir nous prendre des exemples de personnes qui étaient en théorie des grands hommes, et qui en fait, ils étaient moins qu'un cafard. D'accord ? Shlosha melachim ve'arba hediotot en lahem chelek la'olam haba. Trois rois et quatre hediotot, des gens de rang normal, qui étaient en fait des grands, qui avaient beaucoup de connaissances, en lahem chelek la'olam haba. Ils n'auront pas de part au monde futur. Shlosha melachim, trois rois. Yarov'am, Achav ou Menaché. Yarov'am, trois rois. Yarov'am, c'était. Juste après Shlomo, on va le faire très court parce que sinon on va partir dans une demi-heure d'histoire, c'est dommage. Yarovam, à l'époque de Shlomo Ameler, le fils de Shlomo Ameler, c'était Rechavam. À l'époque de Rechavam, la royauté d'Israël s'est scindée en deux. Il y avait Malchut Bet David, deux tribus, David, Yehuda et Binyamin, et les dix autres tribus qui étaient sous l'égide de Yarovam. Yarovam, c'était initialement un grand homme, il était un grand ministre important chez Shlomo Ameler. Il a osé réprimander Shlomo Ameler sur une mauvaise conduite pour vous dire combien c'était apparemment un tzaddik. Et malgré tout, quand il est devenu roi, alors ça lui est monté à la tête. Il a eu peur de perdre le contrôle de ses 10 tribus, qu'ils allaient peut-être repartir chez David Ameler. Et il a incité tout le monde à faire une Avera. Inciter quelqu'un à faire une Avera, c'est très grave. Tu veux faire ta Avera, fais ta Avera, paye et t'iras bien. Mais tu vas inciter les autres à faire ta Avera. Jamais, c'est très grave. Donc ça, c'est ce qu'il a fait Yarovam, il a incité tout le monde à faire de la Avodah Zara. Il n'aura pas de part au monde futur. Ça, c'est Yarovam. Achav, c'est un des rois de Malchut Bet David. Alors lui, il a plongé totalement dans l'idolâtrie, il s'est mis à y croire, mais comme personne d'autre, il n'y a cru. C'était le mari de Isabelle. Et donc il a plongé dans la Avodah Zara complètement. Menaché, c'était un des derniers rois, c'est lui par exemple qui a fait rentrer un Tselem Baechal. Il a mis une Avodah Zara, une idolâtrie, à l'intérieur du Echal, du Bet Kodesh HaKodashim. Ce qu'on lui réprimande, de la savoir porter ici dans le Tiferet Israël, la particularité de Menaché, c'est qu'il est... D'abord, il a nié la Hashgacha d'Hachem. Ouais, il y a plein d'histoires qui sont rapportées dans le Perek Relek, dans ce Perek, dans la Gemara, qu'il a nié le fait qu'Hachem contrôle le monde. Il faut savoir qu'Hachem, il contrôle le monde. Et quelqu'un qui se met à développer des théories contre, eh ben, il est apikoros. C'est très grave. Et il n'aura pas de part au monde futur. Notamment aussi, il incite à tuer. Rabbi Yehuda Omer, Menaché, yesh lo chelek la'olam haba. Rabbi Yehuda pense que Menaché a une part au monde futur. Il aura une part au monde futur. Chez Neymar, comme dit le Pasouk, qu'au final, Menaché, il a fait tchouba. Comme il est dit, Vait palel elav, il a prié Hachem. Vait erlo, et Hachem lui a répondu. Vait shma techinato, Hachem, il a accepté ça. Sa prière, cette fille-là. Va yeshiver ou Yerushalayim le malchoto. Et il a restitué à Yerushalayim et lui a rendu la royauté. Alors qu'il était en train de se faire tuer, il s'est mis, après avoir imploré toutes les avodas zara, il s'est mis finalement à implorer Hachem parce qu'il avait peur de mourir. Et Hachem est venu et l'a sauvé. Et donc, Hachem l'a restitué à Yerushalayim. Il lui a rendu la royauté. Amroulo chamim en retorqué à Rabbi Yehuda. Non, c'est pas une vraie tchouva. Il a fait tchouva que parce qu'il avait très peur. Mais dans son cœur, il n'avait pas du tout fait tchouva. Il n'y croyait toujours pas. Il a même prié de manière un petit peu odieuse en disant « Si t'existes, viens me sauver. » C'est pas une manière de s'adresser à Hachem. Hachem l'a quand même fait pour montrer qu'il existe. Mais malgré tout, les malchuto yeshivo, il a restitué à la royauté. Velo lechaya olam haba yeshivo, mais il ne l'a pas restitué pour le monde futur. Il n'aura toujours pas de part. Ce qu'il a fait, c'est resté très grave. Il n'a pas fait une retchoua. Ensuite, la Mishnah continue en nous enseignant « Arba'a hediotot » Quatre personnes de rang simple, qui est en fait des grands hommes, ce qu'on a dit « Bil'am » Le fameux Bilam dans la paracha de Balak qui a maudit le peuple d'Israël. Bilam, la Torah témoigne que c'était un prophète chez les Goïm. Être un prophète, c'est pas rencontrer Dieu après avoir bu un verre d'anisette un peu trop sec. C'est avoir un niveau capable de percer dans l'esprit et de percer, d'atteindre des perceptions très fortes d'Hachem jusqu'à qu'on comprenne certaines choses. Et Bilam, c'est vrai qu'il utilisait un petit peu des kochot pas clairs, plus en midrashim, mais en tout cas, on aurait pu croire qu'étant donné qu'il avait une perception forte d'Hachem, ouais, vous imaginez un... peu importe. D'accord, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, un goy qui connaît toute la Kabbalah, vous allez me dire, ah, il connaît la Torah, lui, il connaît l'essence de la Torah, ben non. S'il fait certaines avérotes, comme c'est le cas de Bilam, qui avait entretenu des rapports avec son ânesse, ça rapporte ici dans le Tiferet Israël, que c'était ça essentiellement sa faute, c'est qu'il a été mafkir et tatsmo begufo. Il s'est complètement laissé aller dans l'impureté, à avoir entretenu des rapports avec son ânesse, alors du coup, il n'aura pas de part au monde futur.
Vedoeg. Doeg, c'était c'était un bras droit de Shaoul qui a dénoncé que dans Anov Irakoanim, ils avaient couvert David pendant qu'il était en train de fuir de devant Shaoul. Shaoul est parti là-bas et il s'est fâché contre toute la ville, il a tué tout le monde, il a tué tout le Kohanim de Nov. Et ça, c'était par la faute de Doeg. À cause de sa faute du Lashon Hara, il n'aura pas de parlement futur. Va Achitophel, cette fois-ci, c'est plus compliqué. Quelle était sa faute exactement? Achitophel, c'est aussi à l'époque de David Ameler, c'est celui qui a essayé de faire monter le fils de David, je ne sais plus, tel quel. Shemarad ben David. Avshalom, c'est ça. Il a monté Avshalom pour qu'il prenne lui la royauté après, à l'époque de David Ameler. Avshalom, c'est un des enfants de David Ameler, il l'a chauffé. Et alors, c'est compliqué de comprendre quelle était la faute exacte. Le Tiferet Israël rapporte que le seul problème, c'est là une source, le suicide. Chas v'shalom. C'est une très grave avéra pour laquelle on n'a pas de parlement futur. C'est rapporté ici dans le Tiferet Israël. Il y a des problèmes d'où vient cette source, mais en tout cas, c'est quand même rapporté. Une des sources, c'est tout simplement le fait qu'un meurtrier qui meurt sans faire tchouva, il n'aura pas de parlement futur. Donc, quelqu'un qui se suicide, il n'a pas le temps de faire tchouva, donc il n'aura pas de parlement futur. D'accord? C'est la conclusion du Tiferet Israël ici. Ve'gehazi. Alors, Gehazi, c'était le charat, comment on dit en français, le serviteur de Elisha, le célèbre prophète Elisha, le grand ami d'Eliyahu Hanavi, qui a fait des miracles phénoménaux. Et son serviteur, Gehazi, c'était quelqu'un un petit peu malin. Il a fait plusieurs avérotes. Soit, il y en a qui expliquent, la Gemara explique trois raisons, soit il y avait une avodah zara que tout le monde croyait. Ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a fait quelque chose d'un petit peu magique. Il a tout simplement mis une sorte d'aimant, ou je sais pas trop quoi, de manière à ce que l'idole se mettait à voler dans le ciel. Elle était maintenue en l'air. Et donc les gens la voyaient, il avait des encore plus. Lui, il n'a pas fait de avodah zara, mais il incitait tout le monde à fauter. Première explication. Deuxième explication, c'est qu'il a mis un shem kadosh dans cette avodah zara-là, dans la bouche de cette avodah zara-là. Et cette avodah zara, cette idole, disait à tout le monde les deux dibrot, les deux des 10 premiers commandements. Et troisième explication, c'est tout simplement qu'il a été mésalzé, il a méprisé des Talmidei Chachamim, et donc c'est un épicoros, il n'aura pas de part au monde futur. On a fini la Mishnah, on fait très rapidement le Barthénora. Gimel Melachim Vedalet Ediotot, trois Melachim et quatre Ediotot, Afal Pishik Dolim Vachachamim Ayoum, même s'ils étaient grands et sages, ils n'auront pas de part au monde futur, ils n'aimeraient rien à Kalonamba. Shelo Eta Emunatam Shlema, ils ne croyaient pas vraiment, pas assez. Af al gav de Bilam ou de Gilulim Aya. Il soulève une question de Martin Noir. On va te rapporter le Bilam. Bilam, c'était un goy. On avait besoin de parler de lui, qu'il n'aura pas de parlement futur. Oui. Pourquoi? Ah, parce qu'on. Il vient d'abord appuyer la question. Quelle est la question? Parce qu'on a dit là-bas, Vanan Kol Israël et Shlam Chenak Olam Abba. On a dit que tous les juifs, ils ont une parlement futur. Mais qui a dit que les goy, ils auront une parlement futur? Tnaan, Mishum de Kaimalan, Chassido de Gilulim, Yeshlaim Chenak Olam Abba. En réalité, on a besoin de l'enseigner parce que, effectivement, les bons goyim auront une part au monde futur. On aurait pu croire qu'un goy comme Bilham, qui connaissait tellement de choses sur les conduites d'Hachem sur terre, on aurait pu croire qu'il avait une part au monde futur. Hachemouinan de Bilham, lave mechaside ode gelulim aya. La Mishnah est venue nous enseigner que sache que Bilham, ce n'était pas un bon goy. C'était un goy catastrophique, comme ce qu'on a rapporté ici, parce qu'il était poché à l'étasmo vegoufo, qu'il était plongé dans la saleté, dans la bassesse, en vivant avec son ânesse. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.